to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Hello, hello la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ma vie des mamans toujours. Aujourd'hui, je vous prends dans cette vidéo, on va juste nettoyer mes canapés, les fauteuils. Ça fait longtemps que j'avais pas nettoyé ça avec une shampooingeuse, voilà. Comme j'en ai encore des nouveaux, j'avais prêté à ma nièce et du coup, je vais profiter pour faire mes fauteuils. En fait, ça fait longtemps que je veux pas nettoyer avec shampooingeuse, donc je ferai ça aujourd'hui. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez surtout pas à vous abonner, partager, liker la vidéo, ça me fera plaisir de vous compter parmi nous. Avant de commencer à faire les ménages, j'aime toujours mettre une vidéo de motivation, mettre la musique, voilà, je fais passer des vidéos de mes sisters. Vous allez voir tout à l'heure, je vais faire passer la vidéo de sister Vanessa que j'aime beaucoup, Vanessa by Design, voilà. Pour commencer, je vais déjà aspirer les canapés et je vais utiliser ces savons. J'ai acheté ça chez Action. Je sais que vous vous rappelez très bien, c'est un savon magique. Voilà, shampooingeuse, ils ont des produits spéciaux avec la machine. Comme j'en avais plus, je dis, je vais essayer avec le savon de chez Action. Je vais juste mettre les savons, je mets de l'eau bouillante. L'eau que j'avais fait chauffer dans le, avec le bouilloire, je vais juste mettre ça et laisser tremper les savons. Ensuite, j'avais rajouté un verre d'eau froide, voilà, pour mettre ensuite dans la shampooingeuse pour nettoyer les canapés. Voilà, c'est comme ça. Bissel, ça nettoie très très bien tout ce qui est canapé, fauteuil en tissu, le tapis, ça fait vraiment l'affaire. N'hésitez pas, si vous voulez investir dans ça, je vous encourage vivement parce que ça nettoie vraiment bien. Donc je vais juste mettre le mélange que j'avais fait, voilà, les savons. Une fois que c'est dessous, c'est comme ça, vous mettez juste, vous remplissez les réservoirs là où il faut mettre les produits, voilà. Ensuite je vais nettoyer, je vais commencer par les fauteuils, les chaises plutôt, de la salle à manger, tellement que je, comme je vous ai dit, c'est un produit que je n'ai jamais utilisé avec la shampooingeuse. Donc je vais commencer déjà par les chaises, voilà, avant de faire le canapé, voilà. C'est vraiment hyper facile à nettoyer et les produits, je vous garantis, ça marche très très bien, très très bien la famille, ça nettoie bien, ça a bien nettoyé, voilà. Vous voyez, quand vous nettoyez avec la shampooingeuse, franchement, ça aspire l'eau que vous avez vaporisée. Ça aspire très, très bien. C'était vraiment sale. J'avais déjà l'habitude de nettoyer avec les dégraissants de chez Aldi ou Lidl. Ça nettoie aussi bien, sauf que je ne m'attendais pas à tout ça. Voilà, vous voyez, quand vous aspirez, ça nettoie hyper bien. Et les savons aussi de chez Action, ça fait l'affaire. Je vous conseille vivement. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. C'est trop sale. Voilà. Je vous jure, la famille, regardez l'eau que ça aspirait. C'était très, très sale. Ensuite, je vais juste vider mon réservoir et mettre encore l'eau de nouveau pour nettoyer les restes, les chaises, les fauteuils qui restaient encore. Mais regardez-moi ça, c'était vraiment sale, 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 la famille. Je vous conseille à 100%. Même principe, la famille, je vais faire aussi les canapés et le fauteuil. Voilà, par contre, je ne ferai pas les tapis, j'avais pas la force. Après, il fallait que j'aille chercher les enfants. Comme je dis toujours, il y a des jours comme ça, tu te réveilles, tu dis, je vais faire ça. Tu as bien fait le planning. Voilà, c'est aussi bien de faire des plannings, de vous
tâches à faire chaque jour ou dans la semaine. Voilà, c'était pas prévu. Je me suis réveillée, j'ai dit, Stella, qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, je nettoie mes fauteuils. Ça m'a pris beaucoup de temps. Sauf que ça nettoie bien, mais ça prend vraiment du temps pour faire tout ça. Mais juste les résultats finaux, vous serez tellement heureux d'avoir passé le temps à nettoyer vos fauteuils, la famille. Ça nettoie bien tout ce qui est en tissu, dents, voilà, les tapis aussi. Vous pouvez faire avec les matelas aussi. Ça nettoie aussi les matelas. Ça va vous prendre du temps. Il faut juste avoir la patience. Hein? Juste la patience. Comme je dis toujours, quand on fait les ménages comme ça, il faut être patient. Passion. Moi, j'ai seulement hâte d'avoir les résultats finaux. Du coup, je m'y donne à fond. Ensuite, je vais juste ranger l'appareil et faire des décorations. Et j'avais aussi les nouveaux fauteuils que j'avais pris. Si vous me suivez, j'ai des chaînes. Hein? Ma chaîne secondaire, je partage de bons plats, des endroits que je déniche mes décorations, mes meubles et tout ça. J'avais déniché déjà le fauteuil. Donc, je vais juste mettre ça en place dans mon salon. Entre-temps, j'ai commencé déjà par dépoussiérer vite fait. Moi, je suis comme ça, comme je vais mettre juste des fauteuils à côté. J'ai dit, profite pour dépoussiérer. Voilà, c'est quelque chose que je fais tout le temps. Ensuite, je vais juste passer l'aspirateur et mettre le fauteuil installé dans mon salon, mon nouveau fauteuil que j'ai kiffé. N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît, partager la vidéo, liker la vidéo, ça me fera tellement plaisir de vous compter parmi nous. Les likes, les commentaires, c'est tellement motivant. Voilà, quand vous likez, quand vous commentez, ça me fait tellement plaisir. Vos réactions, ça me va droit au cœur. Voilà les fauteuils, voilà les fauteuils. Dites-moi dans les commentaires si je paye ça à combien. Sans tricher, on n'allait pas regarder dans la chaîne secondaire. Dites-moi dans les commentaires combien je payais ça. Voilà, je vais juste mettre ça au salon. L'autre, l'ancien fauteuil, je mets ça dans ma chambre. Voilà, moi c'est comme ça. Je vais prendre les décorations de ce côté au salon. Je mets ça dans ma chambre, dans ma cuisine, dans la chambre des enfants. Voilà, c'est vraiment ce que moi je fais. Je vais juste mettre ma maison, que la maison soit propre, organisé, pas trop d'encombrement. Voilà, vous pouvez juste changer de place, des endroits. Je faisais passer la vidéo de Sista Vanessa. Tout à l'heure, c'était Sista. J'avais mis les secrets de Milos. J'avais mis Sista Vanessa. Voilà, je fais comme ça. J'avais mis aussi Sista Joyce. Voilà, juste les vidéos de motivation. Ça motive énormément la famille. Quand vous regardez des vidéos, c'est pas les maisons qu'on vous montre. C'est juste pour vous motiver, pour vous dire, tiens. Par exemple, les miroirs, c'était de l'autre côté. Je mets ça là où je mets. Voilà, je juste déplacer les décorations sans pour autant acheter d'autres décorations. Voilà, c'est juste pour vous motiver, vous donner cette envie. Voilà, à chaque fois que vous faites ça va devenir l'habitude. Vous aurez tout le temps envie de déplacer, tout le temps envie de changer des coussins. Voilà, c'est des coussins que j'avais. Je n'ai pas changé parce que je n'ai pas encore mis la décoration du printemps. Voilà, j'ai juste remis les coussins que j'avais avant. J'avais retiré pour nettoyer les canapés. Voilà, la maison, ça sera propre. J'ai un nouveau fauteuil, mais le reste, c'est des choses, quoi. Voilà, c'est comme ça les fauteuils. Je vais vous montrer vite fait. C'est comme ça les fauteuils, j'aime bien. C'est juste pour vous motiver la famille. Juste pour vous motiver. Rien de plus. Je ne fais pas la pipe, c'est juste pour vous motiver. Voilà. Je suis maman au foyer. J'aime trop s'occuper de mes enfants. J'aime trop prendre soin de ma maison aussi. Voilà, c'est comme ça. C'est propre. Un petit salon, pas encombré. La décoration, c'est juste... j'aime bien. Et par rapport à la décoration, là, j'avais mis la vase là. Juste, il y a du fil qui passe derrière que je n'ai pas encore trouvé la solution. Je fais avec ce que j'ai. Je trouve qu'avec la vase, je peux cacher un peu le fil qui est derrière. Du coup, je vais juste mettre la vase. Voilà, je change la vase. Je trouve qu'avec celle-là aussi, ça marche bien. Dites-moi dans les commentaires. Voilà, il y a toujours des astuces, il y a toujours des idées. Il faut juste essayer et mettre ça en place. Voilà. Et comme ça, maintenant je mets comme ça. Le but, c'est de cacher les fils qui est derrière la clé. Voilà, c'est comme ça chez moi. Voilà, ensuite je vais aller chercher les enfants à l'école. La famille, c'était juste une petite vidéo que je voulais partager avec vous. Voilà, les fauteuils, les chaises, c'est tellement propre. Prenez le temps. Faites vos plannings, faites avec les temps que vous avez. Vous pouvez bien vous organiser la famille.
C'est possible, tout le monde peut être propre, c'est possible. C'est juste avoir cette envie. Voilà, j'ai juste rajouté mon collant parce que je sortais, je vais aller chercher les enfants, il fait froid. Je mets mon manteau, je descends, j'étais déjà en retard, je pouvais rien faire, juste faire vite fait descendre, aller chercher les enfants. C'était ça. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo, ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker la vidéo, commenter. Ça me fera plaisir de vous compter parmi nous. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas la prière. Bye bye.